Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va vous plaire. Alors pour ceux qui sont fascinés par les boas, là je vais vous montrer une femelle boa constrictor du Nord Brésil. Je viens de voir qu'elle avait mué, donc la première chose que j'ai fait, bien sûr, c'est d'enlever le bac d'eau parce que madame, une fois qu'elle a mué, elle chie dans son eau. J'ai quand même enlevé le bac d'eau, je l'ai désinfecté, il est en train de dégoutter. Je l'ai bien désinfecté avec de l'eau de javel, vinaigre d'alcool ensuite et ainsi de suite. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails de comment j'ai lavé le bac d'eau de ma femelle boa. Elle a explosé. Donc je vais vous montrer la taille de ma femelle. On va la mesurer et on va donner à peu près un pourcentage. Alors la fois j'avais à peu près 2m20 de mue de mémoire. Il faut savoir que moi je ne surnourris pas mes animaux, c'est à dire que je fais une cadence, c'est à dire que je vais pouvoir nourrir ma bête par exemple avec une proie de 150 grammes 15 jours, 3 semaines plus tard je vais la nourrir avec un gras de 250 grammes, je vais la laisser patienter, voilà, je vais essayer de reproduire ce qui se passe en nature parce que dans la nature ils ont pas un rongeur à portée de, on va dire de crocs, hein, on va dire ça comme ça. Moi j'essaie d'alterner, alors c'est ma méthode, les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Je vais aussi revenir sur cette histoire de bassine, de bac d'eau et ainsi de suite. Je fais une méthode sèche, alors méthode sèche, c'est juste dire que je ne pulvérise pas mes terrariums. Mes animaux sont en méthode sèche, c'est-à-dire que je n'ai pas de système de brumisation ou de goutte à goutte dans les terrariums des serpents. La seule chose que j'apporte, c'est une gamelle d'eau fraîche que je change tous les jours. Elle a sa bassine d'eau et c'est vrai qu'elle a tendance, lorsqu'elle va muer, à aller se tremper dans la bassine d'eau et ensuite muer souvent dans l'eau ou à côté de l'eau, ce qui me permet d'avoir de très très belles mues. Déjà, le petit pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas cette petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et croyez-moi, il va y avoir du très 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 lourd. Voilà, ah, dernière petite chose des gens. Maintenant que je suis un écrivain hors pair et que Amazon m'a validé, merci au service juridique d'Amazon d'ailleurs, m'a validé mon livre. Voilà, le registre qui est obligatoire, je précise, les gens ont appelé, se sont renseignés, maintenant tout le monde sait que c'est obligatoire depuis l'arrêté du 8 octobre 2018 à partir d'un animal non domestique. Donc voilà, ça c'est le registre que j'ai sorti. Moi je vous ai mis l'arrêté derrière et tout ce qui est légal derrière. Comme ça, ça vous donne un avis. La première page, bah, vous avez tout ce qui est obligatoire à mettre, vos numéros de sirette et tout pour les professionnels et autres, et ainsi de suite. Et encore un rappel à la loi. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà. Et ensuite, bah, c'est comme la loi l'oblige. Vous avez d'un côté, à gauche, les entrées et l'autre côté, les sorties. Voilà. Donc ça fait 50 entrées, 50 sorties. C'est quand même pas mal pour un ouvrage. Vous le trouverez sur Amazon. De toute façon, je vous le mets encore en lien dans le descriptif de la vidéo. Et je précise, hein, les gens, malgré ce que vous entendez sur les réseaux, rapprochez-vous des capacitaires, de la DDPP, de l'ONCFS ou de la préfecture. C'est obligatoire et c'est marqué dans l'arrêté du 8 octobre 2018. En plus, il est beau, il est plastifié. Et en plus, c'est stylé cailleux. Voilà, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, ça fait joli dans une bibliothèque. On va le mettre là. Voilà, bon, allez, on va aller récupérer la mue, on va regarder la mue ensemble, on va la mesurer. Ensuite, je vais la prendre dans les mains, je vais la manipuler. Et je sais, rien que là, que je vais faire poids, 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 poids. Allez, on va chercher la mue et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on enlève la petite cale de sécurité. Alors, vous entendez le bruit de papier mâché. Alors, est-ce que c'est une mue... Ah, elle l'a abîmée, bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi elle me l'abîme à l'intérieur? J'ai mis des branches qui lui permettent de se frotter lorsqu'elle a besoin bah, de gratter sa mue et de commencer à l'enlever par, bien sûr, par la tête. Et c'est vrai que bah, malheureusement, bah, ça la déchire. C'est mort parce que ça m'a fait une boule et ça m'a déchiré. Bon, bah attends. Je voulais vous montrer la dimension. Mais là, elle est tellement, tellement, tellement collée. Ah. On est... Alors je sais pas où est le... Ah. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ah, elle m'a fait carrément un nœud avec sa mue. Le cloaque. Donc ici. Voilà. Là il est bien là. On le voit bien. Donc ça prouve qu'il n'est pas collé. Très important ça aussi de vérifier au niveau du cloaque. S'il n'y a pas un morceau de mue qui est resté collé à son cloaque. Ce qui pourrait éventuellement l'embêter pour déféquer ou uriner. Bon bah ça c'est la mue, voilà, la mue de ma femelle du Brésil qui est, dans, qui est pas belle, enfin qui est pas belle, qui est magnifique, mais le problème, c'est que bah, elle me l'a éclaté. Bon c'est pas grave, bon bah en tout cas pour la mesure, eh ben c'est raté. Voilà le monstre. Ah salut toi. Bon je vais la laisser un peu se balader. Je suis tellement fier d'avoir un si bel animal à la maison.
Regardez-moi un peu la taille. Et encore, je suis très très loin. Donc elle fait plus de 2 mètres, hein, maintenant je peux vous l'assurer. Parce que là, si je laisse pendre la queue en bas, voilà, elle fait un bon 2 mètres, 2 mètres 10. Elle fait un bon 2 mètres 10, on va dire. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Hein. Voilà, alors moi je fais toujours attention au visage. On ne sait jamais. Et puis, si elle, franchement, une morsure de cette taille-là, je pense que ça ferait des dégâts. Donc, je fais très très attention à mon visage. Même si je sais et je suis pertinemment sûr qu'elle ne me fera rien, je fais très très attention quand même. Femelle du Nord Brésil, qui malheureusement aujourd'hui est devenue assez, même rare, ce qui est bien dommage parce que c'est une très très belle espèce. Enfin, au niveau de la couleur, au niveau de... Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle m'a bien attrapé. Hein. Là, j'ai l'impression d'avoir un sac à dos. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle. Alors, faut être amoureux des serpents, c'est sûr. Pour les gens qui ont peur des serpents, c'est sûr que c'est pas le genre de vidéo qui va vous plaire, entre guillemets. Mais bon, prenez sur vous et regardez plutôt la qualité et la beauté de l'animal. Je pense qu'on est sur plus de 7 kilos là, sans problème. Parce qu'elle est quand même lourde. On va se rapprocher un peu. Hop, voilà un peu... Là, elle m'agrippe bien. Je peux vous assurer que là, malgré le petit morceau qui me tient là, je peux vous assurer qu'elle tient très 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 bien. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est un truc de dingue. Alors, moi, j'ai toujours été attiré par les très 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 gros serpents. Faut savoir qu'adulte, c'est une femelle qui devrait atteindre les 3 kilos. Qui devrait atteindre les 10 mètres. Je vais le laisser ça. Qui devrait atteindre les 3 mètres pour, allez, on va dire une quinzaine de kilos en faisant bien attention. Mais comme vous pouvez le voir, là, on commence à être dans un très 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 beau gabarit. Alors, ils vont me dire, ah, il est gaga avec son serpent et tout, ça donne pas d'affection, gna gna gna. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Tout ce que je vois, bah, c'est la beauté de la bête. Alors, normalement, c'est avec deux mains, deux supports, deux appuis, pardon. Mais là, c'est tellement bien enroulé autour de ma main que. Mais on sent la puissance, mais regardez-moi un peu ce... Regardez-moi un peu ce pattern. Regardez-moi un peu cette qualité de couleur. Ce légèrement orange-rosé en dessous. Enfin, sur le côté, pardon. La tête, magnifique. Regardez-moi cette tête. Cette tête! Montre-toi, là. Voilà. Regardez un peu. T'es magnifique, ma belle. Bon, je vais la reposer. Elle est maintenue dans un terrarium qui fait 180 par 90 par 50. Eh ben voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Toujours en présence de Maya. Madame s'incruste à chaque fois. Tu viens? Ben ouais, hein, moi aussi je t'aime. Madame s'incruste à chaque fois. Tu t'allonges ou pas? Comme d'hab. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai eu le plaisir de vous montrer en vidéo donc Brasilia, ma femelle du Nord Brésil, qui va, comme je vous l'ai dit, sur ses 4 ans. J'ai hâte de la voir dans quelques années. Elle va être monstrueuse. Maya, qui adore aller dans mes cheveux. Le problème, c'est que quand vous avez les cheveux longs, c'est un peu galère. Parce que les animaux, ils adorent s'en mêler dedans. Et c'est un peu chiant, n'est-ce pas? Hein? Oh, si je t'aime. Voilà les amis, comme je dis dans chacune de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre la petite cloche pour être averti lors de mes prochaines sorties vidéo. Le petit pouce bleu, hyper important. Et si tu as envie de m'aider, sponsoriser la chaîne, n'hésite pas. Il y a le petit merci en bas dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu fais un petit don. Comme ça, tu rejoindras mes aventures. Et surtout, bah, un petit commentaire. Que penses-tu de ce magnifique boa constrictor du Nord Brésil? Ah, j'aimerais bien savoir ce que tu vas en penser et ce que tu vas dire dans les commentaires. Moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.